sur le jeu Deus Ex Mankind Divided. Alors, on se souvient que dans les épisodes précédents, tout se passait pas exactement comme ça devrait, hein. Ça se passe assez dans la douleur, les missions sont complètes, mais enfin complétées, mais pas exactement comme elles devraient l'être. Alex, Talos Rucker est mort. Quoi ? Voilà, par exemple. Hein. Oh merde. Rucker était la voix des augmentés. Les gens l'adoraient pour ça. Quand la nouvelle va se répandre, Prague va exploser. Et le monde entier nous regarde. Écoute, Miller est allé voir la police. C'est peut-être notre chance de tester sa loyauté. Il vit près de la TF-29. Tu veux qu'on aille fouiller son appartement ? Par contre, ouais. Moi, toi, continue à te renseigner sur cette effraction chez VersaLife. Et vois ce que le collectif peut nous trouver sur un certain Victor Marchenko. Si j'ai raison et que Rucker a été empoisonné, tout peut être lié. Jensen terminé. Jensen terminé. Vous êtes là ? Oui ? Vous n'allez pas le croire, mais Fatih Orlov est à Prague. Vous plaisantez ? Quoi ? Je préférerais. Il a obtenu un visa d'expert il y a 6 mois, et depuis, il y fait des séjours réguliers. Le contrôle aux frontières l'a justement enregistré ce matin. Je suis arrivé à Prague il y a 6 mois. Vous avez une adresse ? Résidence Lilium à Courtyard, rue L'Avenir, au 2e étage. J'irai voir ça. Monsieur Jensen ! Ah putain ! Ici Otar von Kovelen. Oui ? J'ai une autre mission délicate qui requiert votre expertise. Non. Je croyais qu'on était quittes. Nous serons quittes quand je le dirai, mon ami. Je vais te buter. Bien, reprenons. Vous irez voir Madame Katlek, propriétaire du Red Queen. Elle a un problème. Un problème répondant au nom de Dominic. Soyons clairs. Je suis pas nettoyeur pour les dévaliers. Pourquoi pas envoyer l'un des vôtres ? Mais parce que je vous leur donne, alors ! Et qui a parlé de meurtre ? Allez voir Katlek et soyez un... Je vais le buter lui. Et il commence à me... Non mais ça va, oui. Bon allez. Ouh, regarde un peu ça. Quoi ? Mais je te parle là, allez. Oh, bien sûr. T'as peur, j'étais juste à côté de toi. Miller m'a dit de... Vérifier où j'en suis ? Sérieusement, je lui ai dit que je m'en occupais. Qu'est-ce qu'il veut de plus ? Ça sert à rien de me presser, Adam. La perfection, ça prend du temps. Ok. Et j'avais raison. Alors, c'est qui le meilleur ? C'est-à-dire ? T'as trouvé quoi ? Oh, juste des fragments isolés de ce qui ressemble fort au minuteur de la bombe. Et tu vas pas la croire, c'est un modèle Stanek. Quoi ? Stanek ? Stanek ? Ils se sont servis d'une montre comme minuteur ? Bref, aussi ridicule que ça puisse paraître... C'est plutôt malin d'utiliser un minuteur mécanique, en fait. Comme les scanners de sécurité peuvent détecter tout ce qui possède un circuit électronique suspect, un dispositif traditionnel est bien plus discret. Les montres Stanek sont fabriquées ici. Je vais aller faire un tour au magasin. Il est sûrement fermé. Voyons si je peux trouver une autre piste. Ah, et voilà. Nomad Stanek, le fondateur et propriétaire de l'horlogerie, habite dans le quartier de Davni Obvod, près de la gare du Pèlerin. Putnik Nadrazin, check. Bâtiment numéro 96, 2e étage. Merci, je vais aller voir. Ok, bon, on a plusieurs missions à faire du coup. Hein. Alors. Déjà, on va sortir. Ça prend un S à la fin. Allez. Donc on va pouvoir ressortir. On va... c'est pas cette touche là. Ici on a pas mal de points. Enfin de praxis à distribuer. Série longue d'épisodes. Ouais. Un
implanté dans les yeux, installation dispositif, elle projette, fournit. Attendez. Bah ça, il faut qu'on le prenne, hein, parce que... Il serait temps qu'on arrive à réussir nos interrogatoires, quand même. ça, ce serait pas mal. Ça en demande deux. Allez, zou. Et du coup, un après, j'ai plus rien. Ça, pour l'augmenter, ça me demande combien? Ah, je sais plus comment on fait pour voir. Non, attendez. C'est là qu'il faut que j'aille. Un praxis. Et un praxis. Allez, zou. Voilà. Donc, j'ai une mission principale. Qui est donc de... fouiller l'appartement de Miller. J'ai une mission... j'ai une mission secondaire qui est de fouiller l'appartement du scientifique. Et une zone d'intérêt, une dernière faveur. Ok. Moi, je serais peut-être plus... plus pour faire celle-ci. Attendez, je sais plus juste comment on fait pour la mettre en principale. Affiché sur la carte. Ok, bon, on va sortir d'abord, hein, parce que... Ah, je sais. C'est du cuir 100% naturel, végétal, à base de faux. Pardon ? On va se calmer d'abord, hein. Stanek. Comme par hasard. C'était qui? Donc la boutique Stanek, qui est donc censée... être une piste pour l'attentat vient donc d'exploser tout simplement. Donc je pense que c'était certainement pour camoufler des preuves. Donc je pense qu'en fait, plutôt que de faire la mission secondaire, on va quand même aller faire la mission principale. J'hésitais jusque là, mais je pense que là... Attendez, parce qu'il y a plein de trucs intéressants, là. non, en fait, on s'en fout. Ah, un flingue. Ça, je m'en fous. C'est déjà pas mal. Juste pour les fléchettes tranquillisantes, ça valait le coup de rentrer.
Quoi? Ah, c'est complètement de l'autre côté. Par contre, j'aimerais bien que tu te refermes, toi. Donc, j'ai tourné à droite et en fait, fallait aller à gauche. C'est pas grave. Non mais c'est de là où je viens, ça. C'est pas possible. Ah, quoique, peut-être pas en fait. Bah en fait non, d'accord. L'heure de l'horloger va bientôt sonner. Ouais. Ok. Ah. Alors d'abord, on va fouiller grossièrement pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Ok, il y a personne. Alors, si je me souviens bien... Non, c'est comme ça. Voilà. Bon, on va pouvoir fouiller. Alors, ça fait quelques jours que je n'ai pas joué, donc du coup, j'ai un peu du mal à reprendre un peu le jeu en main. Ça doit sentir un peu dans le déplacement, moi je le sens. Hein. Donc on va prendre ça. Ok. On s'en fout. On s'en fout. Alors ça, comme d'habitude, je vous le mets comme ça. Mais faut faire pause, hein, pour le lire. Parce que sinon, le temps de jeu va durer 3 ans. Excusez-moi. On va prendre. J'ai fouillé toutes les pièces, je crois, non? Une autre carte.
Donc on arrive dans un autre bureau. Ça, ça ressemble plus à des bombes déjà, hein. Éléments à revendre, ça, j'ai plus de place. Ça, par contre, c'est pas mal. Ok, donc il y a des écrans. Ici, c'est une imprimante. Ok. Je vais peut-être pas appuyer tout de suite parce qu'on sait pas. On va essayer d'entrer dans l'ordinateur. Alors. Oui, tu m'étonnes. Alors, m'attaquer, m'inquiète, regrette. Ouais. Le progrès. Ouais. Nomade. J'ai quelqu'un de bien et un putain d'argent. Ok. Et un véritable artiste. Je le porterai avec fierté. Échapper au piège tendu par Dvali. Bah écoute. C'est censé être compliqué du coup. C'était censé être un piège. j'ai pas trop suivi, mais c'est pas grave, ok. Smiley, Stanek n'était pas chez lui. Mais j'ai trouvé ce qui ressemble à du matériel pour fabriquer des bombes. Et un piège des Dévali. Tu déconnes. J'ai aussi appris où je pourrais le trouver. Il est dans un bar du quartier rouge. Juste en face du Red Queen. J'y vais tout de suite. On a des agents dans le coin qui surveillent les Dévali. Je vais les envoyer. Bien sûr. Tut, 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 tut. Allez. Bah. Un jour, je rentrerai chez toi. Bon, donc, on est tombé dans une sorte de piège. Qu'il n'en était pas vraiment un pour nous. On a un peu réussi à y échapper comme à rien, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Bonjour. On sait jamais, je préfère fermer derrière. Bienvenue au tabouret irlandais, l'ami. Posez vos fesses, je verrai ce que je peux faire pour vous. Tabouret irlandais, chouette comme nom. Très évocateur. Oui, c'est ce que je me dis. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut ? Je cherche un homme du nom de Nomad Stanek. On m'a dit qu'il pourrait être par ici. Oui, vous n'êtes pas le premier. Deux agents d'Interpol viennent de me poser la même question. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a des ennuis ou quoi ? J'ai pas le droit de vous parler d'une enquête en cours. Vous pouvez me dire où ils sont. En bas. T'achètes pas tout foutre en l'air, ok ? Au fait... Tout foutre en l'air. D'accord, j'ai compris que je vais devoir un peu me battre. Ok, alors, bière brune, bière blonde. Alors, dans la vraie vie, je déteste la bière, donc voilà. Pilsner Miramor. Mramor. C'est fait à base de rat mort. Allez, on va prendre ça, allez, vas-y. Pas de problème. Autre chose ?
Non, c'est bon, merci. Pas maintenant, merci. J'ai des affaires à régler. Alors, par contre, c'est pour moi, d'accord, mais bah, tu peux la garder, en fait, j'ai pas de place. Hey, je suis un citoyen. J'ai des droits. Vous ne pouvez pas m'arrêter si vous ne m'inculpez pas. Ça, je le sais. Et moi, je sais que vous allez rester là bien sagement, comme un horloger discipliné. Je m'en occupe, agent Reinhardt. Profitez-en pour faire une pause avec votre équipier. Attendez. Je vous connais. Vous êtes venu dans ma boutique. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas souvenir, mais c'est brave. J'ai des questions à vous poser, monsieur Sternek. On a des preuves qui vous lient, vous et votre boutique à l'attentat de la gare. L'attentat ? Non, j'aurais jamais... Je saurais même pas par où commencer. Vous vous trompez. Ah oui. Convainquez-moi. J'ai un minuteur qui porte votre nom et j'ai trouvé les outils nécessaires pour fabriquer d'autres bombes chez vous. Quelle conclusion je devrais tirer ? Alors... Si vous avez vu ma boutique, vous savez que je répare des montres. Je ne fabrique pas de bombes. Non, ces outils ne m'appartiennent pas. Ils sont... Votre fille ? Non, pas ma fille. Allez-y, arrêtez-moi. C'est moi que vous cherchez, pas elle. Oui, j'ai fabriqué des bombes pour eux. Ça m'étonnerait. Allez, où est ta fille ? J'ai votre fille, M. Stanek. Mais c'est pas en ordre que vous allez l'aider. Vous devez me dire ce que vous savez. Oui. Vous avez raison. Ouais. Allison était dans l'armée. Elle a toujours voulu faire partie d'une grande cause. Avoir c'est un gentil. Au-delà de ses propres intérêts. Ouais. C'est une si belle enfant. Si douée. Mais elle a mal tourné, à quel moment ? Et ensuite ? Ça revient même. L'incident. Elle a rencontré des gens. Ils disaient être ses amis, mais j'ai tout de suite vu qu'ils voulaient seulement s'en servir d'elle. Des parasites ! Ah, des Macs. Ils l'ont brisé. Ah, c'est ça. Il n'y est pour rien. Ils l'ont forcé. Ouais, bah, c'est ça. Alison peut me retrouver ici ce soir. Mais un de ses hommes est venu à sa place. Il m'a remis un message de sa part en crachant des insultes, corpos et les organiques. Alison. Elle me disait au revoir. Mais elle n'aurait jamais. Ils se sont servis d'elle. Et maintenant, ils veulent la faire disparaître. Ah. Bon. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a pas encore la mission. Mais je sens qu'il faut aller sauver Alison. Et que ça va être la Charlie. Votre fille a les connaissances nécessaires pour ça. Ah oui. Il y a plus que moi. Elle était dans l'armée. Faisait partie d'une équipe de neutralisation des explosifs et des munitions. Ouais. Et ils tombent toujours mal, ces gens-là. Oui. Toujours. Elle se plaisait beaucoup dans l'armée. Ils l'ont augmentée pour la rendre encore plus performante à la tâche. Mais. Après l'incident. Elle a été renvoyée pour manquement à l'honneur. Elle ne savait plus où elle était. C'est là que ses nouveaux amis l'ont trouvée. Ils l'ont exploité, oui. Et maintenant, ils veulent se débarrasser d'elle. Ah, les enflures. Qui sont ses amis ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ses amis ? Si ce n'est qu'ils sont augmentés. Ouais. Ils ne parlaient qu'à Alison quand on est à la boutique. Si un humain normal n'était pas digne de... J'entendais souvent le mot « ascension ». Allez savoir ce que c'est. Votre appartement. A été piégé par Radich Nikolatse. Ah, le méchant. Quoi ? Mais pourquoi est-ce qu'il... Je suppose que la mutine ne vaut rien pour un voyou. Comment ça, ça ? J'ai jamais été bien riche, mais... Ma boutique est connue et respectée. Radich aimait mes montres. Il savait que j'avais besoin d'argent, ce qui était arrivé à Alison, alors... On a conclu un marché. Mais les marchés, c'est comme les jolies femmes pour cet homme. Il finit toujours par trouver mieux ailleurs. Où puis-je trouver Alison, monsieur Stanley ? Excusez-moi. Si je le savais, je répète. J'irais la sauver moi-même, ces sales profiteurs. Je m'apprêtais à aller la chercher quand vos sbires sont arrivés. On la trouvera. C'est mon boulot. On attendra accompagner ces agents. Ils ont des questions à vous poser. Non ! Si. Il faut qu'il aille. Non. Elle a besoin de moi. C'est ma seule famille. Et donc c'est mieux que tu te fasses buter ? Bah non, c'est moi. Allez.
trouver ma fille. Ouais. Ou je m'en chargerai. Je vais la trouver. Je suis pas sûr de pouvoir te la ramener en un seul morceau, mais je vais la... Enfin, peut-être en 2-3 morceaux en fait. Ou des morceaux en plus, je sais pas. Et t'as une autre piste ? Stanley dit qu'il sait pas où elle est, mais je crois qu'il me cache quelque chose. Oui. Les agents vont le ramener. Tant qu'il parlera pas, l'enquête sera au point mort. Je vais m'assurer qu'on s'en occupe de tout ce qu'il sait. Ok, bien sûr. Un nomade Stanley qui vient de se faire embarquer par des gens de flics, je sais pas quoi. Ok, j'ai pas vu partir, mais c'est pas grave. Eh, faut fermer les portes, hein, des fois. Bon. Attendez, on va regarder quand même, parce que je l'ai payé, hein, quand même, la bière. Hein. Ce serait con de... Ah, trop loin. Est-ce que j'ai pas un truc qui sert à rien, munitions normales? Non. Par contre, je vais juste profiter que je suis là. Voilà. À me dire qu'il faut que j'appuie sur check. Ah. Voilà, et... Alors je sais, c'est pas fun à voir ce que je suis en train de faire, mais ça m'énerve de voir des, des notifications en fait. J'aime pas ça, ça embrouille plus qu'autre chose, donc je les enlève vite fait. Et ensuite, on sera peinard. Allez, voilà. Code obtenu. Ah d'accord. Fallait peut-être que je lise avant en fait. Ok. C'est pas grave. Coucou. Faudra que je revienne dans ce coin là, moi, hein? Ouais. Est-ce que ça va être par là? Il semblerait que ce soit bon. Ouais, des deux côtés c'était bon en fait. Coucou? Il y a une bière dans le quartier rouge là-bas justement. Et puis il y a une bière, ok? Voilà. Si je fouille le coffre de cette voiture qui ne m'appartient pas, est-ce que vous allez réagir? Ouais, tout à fait. Madame, oui. Vous allez à l'appartement de la rue Lavigny? Non. C'est l'occasion ou jamais. D'après les archives de la police des frontières, Orlov ne reste jamais à Prague très longtemps. Et bah deux secondes, j'ai une mission à faire d'abord. Hein, c'est important, je dois sauver une fille. Et excusez-moi, je suis pas sûr de pouvoir la ramener entière en plus. Alors c'est très intéressant du coup. Mais j'irai juste après, hein. J'irai. Coucou. Ah bah si, il est mort en fait. Ok. Ah attends. Non, j'ai pas envie de te parler. Encore te fouiller, je veux bien, mais te parler... Ok, alors... C'est quoi, on est déjà venu ou c'est quoi ce... Ok.
Bonsoir. Ce que je déteste le plus quand je rentre tard, c'est de voir tous les sans-abri qui s'installent ici le soir. Ah oui, c'est nul. Hein. Comme lui, là. Hein? Alex, je suis dans l'appartement. Oh bah puis là je l'ai fait en... Tu t'attendais à quoi? C'est un ancien du SAS. Une vie de militaire peut changer n'importe qui en maniaque. S'il a des secrets là-dedans, Adam, ils seront bien cachés. Tout le monde a ses faiblesses. Je dois en savoir plus sur lui si je veux comprendre les siennes. Oh putain! Ça doit pas être de mon niveau ça. Ah bah oui, tu m'étonnes. Putain, tu mets du temps là. Je sais pas comment j'ai fait, mais ok. Avec le gars du 6ème, on pensait s'organiser pour Noël. Ouais, machin, on s'en fout. Voilà. Ok. Alex, j'ai piraté l'ordinateur de Miller. Il a pas mal de problèmes personnels en ce moment, mais rien de compromettant. Cherche encore. C'est probablement la seule chance qu'on aura. Oh, un petit coin cocooning pour partager des bons moments à deux. Ça, je suppose que c'est la porte de dehors. Ouais. Niveau compromettant, on va pas dire que l'homosexualité c'est compromettant quand même. Ils sont pas allés jusque là. Quand même pas. Mais bon, en plus tout ça. Pardon. Tout ça pour ça. Pourquoi vous laissez toujours les cartes de crédit juste à côté de votre lit quand même? C'est de la folie hein. Ok, donc... Ok, alors ok, ok. Voilà, et... Ah, on arrive dans un autre appartement qui est un petit peu plus en bordel quand même. Non. Votre présence en sous ce toit n'est pas certifiée. C'est pas grave. Veuillez citer les lieux, s'il vous plaît. Nouveaux remèdes et méthodologies pour empêcher toute épidémie mortelle. Vous avez choisi de rester. Oui. Veuillez poster dans un coin. Tu trouves quelque chose dans l'appartement? T'avais raison. Miller sait très bien cacher ses secrets. Mais je cherche. Mmh.
place de Nastel Lamont, avec des journalistes irresponsables, c'est possible. Les sites clandestins et les stations de radio continuent de soutenir le collectif Mastermind, un groupe insaisissable de hackers justiciers qui a révélé une corruption massive. Mais ce que ces journalistes négligent, c'est l'appartement de Merci. C'était très gentil. J'ai pas fini de fouiller l'appartement, moi. Ce qui me dit de partir, mais je suis pas encore à ça, moi. Alors. Ouais, ça va aller. Voilà. Restez immobile pendant le scan. Merci. Bienvenue dans votre système domotique. Ouais. La sécurité est de la plus haute importance. Vos secrets sont exposés. Les secrets sont exposés, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose de plus. Ok, donc on va aller voir en haut. Je trouve pas vraiment grand chose là. Il y a forcément quelque chose. Regarde dans la chambre. Fouille absolument partout. Faut qu'on soit sûr. Ok. On va aller regarder ça juste vite fait. Il y a juste un cadavre, quoi. Elle vient avec moi. Faut que je retourne dans l'autre appartement, c'est ça ? Attendez. Alors l'ordinateur, j'avais déjà regardé. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Sans deck ! Ah, méchant !
Je vois pas ce qu'il faudrait que je trouve encore. Bon bah il aime bien l'alcool, il a le droit quoi. Qu'est-ce que... Fouiller l'appartement... Ouais, mais ça me dit rien de plus en fait. Deck, tu déconnes. Ce mec est un génie. Je crois que j'ai quelque chose, Alex. La carte d'accès au SRN de Miller. Il a dû l'oublier quand il s'est connecté à son autre ordinateur. Son autre ordinateur. Tu trouves rien de compromettant dessus? J'ai pas encore regardé. Mais je commence à me dire qu'on n'en saura pas plus si on n'écoute pas cette conversation du SRN entier. Merde, c'est risqué. Mais je crois qu'il va falloir. Pourquoi? T'as quelque chose sur Versailles? Ouais, et c'est moche. Retrouve-moi dans la petite cour près de la TF-29. Je t'expliquerai. Ah, j'ai pas les niveaux qu'il faut. Peut-être que... le piratage, c'est... C'est ça, le piratage. Et donc, il faut... Non, ça c'est... Là c'est ça et là j'ai pas... Si, je sais pas, peut-être. Ouh, je peux. Allez. Bon, je vais me faire vite, voilà. Je me fais vite repérer. Vas-y. Quoi? Mais non, j'y étais là. Allez, vas-y. Redonne-moi l'accès. Redonne-moi l'accès. Redonne-moi l'accès. Allez! Ok. Et c'est reparti. Analyse de secours. Programme de suivi lancé. Accès permis. Oui, je sais. Ok. Ok. Voilà. Ah, ça m'embête, ça. Oh, ça va. On va quand même remettre ça bien. Comme ça, s'il rentre chez lui, il y aura la poubelle qui sera arrivée en bas. Mais bon, c'est pas encore... c'est un fantôme, hein, c'est normal. On va refermer ça.
Mais quoi, j'ai rien fait. Voilà, bon. Oh. Là, y a rien. Hachai. Alex, t'es là. Salut, merci d'avoir suivi. Je voulais pas qu'on me voit traîner toute seule trop longtemps. Jamais t'allais été retenu. Je sais me tenir, des fois. A dit que t'avais un truc sur Versalife. Oui. Il y a deux mois de ça, un des membres du personnel a été retrouvé mort dans leur centre de Roca Seca Beach, service des projets spéciaux. Elle a été empoisonnée, comme Rucker. Elle. T'as son nom ? Annick Norstad. Pourquoi ? Tu connais quelqu'un là-bas ? On s'en fout, vous. Laisse tomber. Merde. Versalife. Je peux pas les blairer. Quand je volais pour Bell Tower au Panama, ils trempaient dans les pires tordus. C'est à cause d'eux si j'ai une cible dans le dos. Ils ont dit à mes chefs de me tuer. S'ils sont mouillés là-dedans, on les aura. Faut juste qu'on comprenne ce qui se passe. Dis-moi un peu plus sur cette chercheuse. Les infos qu'on a trouvées sur Norstad étaient bien planquées. Pas de rapport de police, pas d'autopsie. Juste une note sur une déclaration sinistre qui parlait d'un accident industriel. Elle travaillait sur des pathogènes dangereux, non ? On suppose que oui. Pour Janus, ça cache quelque chose. C'est lui qui a trouvé le rapport. Il l'a trouvé louche. C'est-à-dire ? Pas mal de blanc et très peu de détails. Il m'en a pas dit beaucoup plus. Et t'as pas voulu lui demander ? Non. Insinue que j'ai merdé ? Bah oui. Non, pas du tout. C'est juste que t'accordes beaucoup de crédit à ce que dit Janus. Je me trompe. Janus m'a totalement transformé. Versalife m'avait brisé. Et il m'a redonné une raison de vivre. Il m'a aidé à voir des choses que je refusais de voir. Comme quoi ? Que certaines théories du complot ne sont pas loin de la vérité. Après le Panama, j'ai refusé de gober les conneries qu'inventait Picus News sur l'incident. Sur ce qu'il avait provoqué. Après, ça a très mal tourné pour nous, les augmentés. Et Janus m'a donné une chance d'essayer de changer les choses. En poursuivant les hommes de l'ombre. En travaillant avec toi. Mais je suis un homme de l'ombre. La CDA qu'on accuse d'une effraction qui les fait passer pour des terroristes, une employée de Versalife qui m'a empoisonné comme Rucker. On parle d'une arme biologique, tu crois ? La carte d'accès de Miller pourrait nous aider. Comment ? Je te suis pas là. Les échanges qui ont lieu sur la SRN sont stockés dans la mémoire système. Si j'arrive à me connecter avec la carte de Miller, je pourrais peut-être écouter sa conversation avec ses chefs. C'est pas aussi simple que de planquer un micro, tu sais. Tu devras rester assis dans le fauteuil un moment. Si jamais quelqu'un te voit... C'est un risque que je suis prêt à prendre. Ouais, ça va être rigolo comme mission, ça. Mais je veux pouvoir écouter tout ce qui se passe pendant que tu seras là-bas. Sois très prudent, madame. Appelle-moi quand t'auras accédé à la machine. Ça va tirer dans tous les sens. Ça va être rigolo. Ha 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 ha.
Ok. Hey! Ok. Zarif, j'ai trouvé Orlov. Il est mort. Quoi? Vous êtes sûr que c'est lui? C'est vrai que techniquement, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai connu un médecin qui lui ressemblait étrangement en Alaska, dans le centre de soins dont je vous ai parlé. À l'époque, il se faisait appeler McFadden. Bonsoir, Adam. Qu'est-ce qui vous est arrivé là-bas exactement? Aucune idée. N'oubliez pas que j'étais dans le coma. Tout était géré par l'OMS. Centre numéro 451. Vous pouvez vous renseigner. Bien sûr. Je vais fouiller son corps et l'appartement. Je trouverai peut-être quelque chose. C'est déjà fait. Il me reste cet ordinateur-là à fouiller. Cet ordinateur-là. Là, il y a un plan par terre, mais apparemment, on n'en a rien à foutre. Salle de bain. Ok, donc c'est les deux ordinateurs. Photographe. Madame photographe. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Compromise, d'accord, ok. Et ensuite... Vadim Orlov. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là. Contactez Madame Photographe. Ok. Ok. Bon, je crois que normalement j'ai tout regardé. Très bien. Et... Vas-y. Bah non. Attends. Faut que les gens, ils arrivent à te trouver quand même. Attends. Oh, t'es pas drôle. Je partirais bien du coup à la recherche du deuxième point. Le point bleu en haut de la map. Qui est donc, je pense, la mission secondaire. Ah, attendez! Fouiller l'appartement de Miller, retrouver Vega près de machin, ouais. Ouais, mais la fille du mec là, ça en est où ça? Ça, on s'en fout. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Donc je pense que le point bleu en haut de la map là, il s'agit de l'autre mission qui ne m'intéresse pas pour l'instant.
la pseudo-faveur qu'on doit aux mafieux là. Par contre, je sais pas du tout à quel moment je dois sauver la fille du. Enfin, la pseudo-poseuse de bombes. J'ai l'impression que ça s'est passé complètement aux oubliettes. Ouais. Eh, je peux même pas sauter en fait là, d'accord. Parce que sinon ça doit faire trop de dégâts après quand je retombe, je sais pas. L'escalier est de ce côté-là, je crois. Non, il était tout droit, c'est pas grave. Là, on va rester à Golem. Il m'a dit aussi longtemps qu'on s'est fait qu'il s'entretient. Ah, attendez. Ah c'est là où il y avait. Non, il y avait un truc au plafond, je crois, ou je sais plus quoi, il y avait une histoire comme ça. Non. Comment j'avais fait pour atterrir au-dessus ? Bah comme ça en fait, d'accord. Ah, je suis idiot, j'ai la carte quoi. Tout tout. N'importe quoi. J'y suis, Alex. T'as autre chose à me dire avant que j'active ce fauteuil? Chaque SRN est différent, Adam, alors je sais pas à quoi m'attendre. J'imagine que tu vas atterrir dans une sorte de salle de conférence virtuelle. Normalement, tu seras tout seul. Et si c'est pas le cas? T'auras l'apparence de Miller. Alors tu coupes court et tu te déconnectes. Ok. Et où est-ce que je trouve ces conversations? Ça, j'en sais rien. C'est ton plan, Adam. Mais les enregistrements holographiques sont gourmands en mémoire virtuelle. Tu devras peut-être chercher à plusieurs endroits. Je vais devoir me fier à mon instinct. Exactement. Mais comme la puce est toujours en place, on saura tous deux quand ça sera fait. Bonne chance, Adam. Ça sent mauvais. C'est différent. OK. Okay.
Ah, mais... J'ai pas compris. Ok. J'ai toujours pas compris. Viser un bloc de serveur avec R, donc là c'est ce que je fais, et appuyer sur carré pour lancer le piratage. Et comment se passe Ah d'accord, j'ai compris. Je suis nul. Oh bonjour toi. Je le refais parce que en fait... Non, attends, attends. Ah, là. Et ça en fait ça ouvre juste de l'autre côté comparé à... Ok. Donc il faut que j'aille par là. Donc j'ai encore 4 serveurs à pirater. Ok. Donc là... Il y a largement ce qu'il faut pour que ça me dissuade d'y aller comme ça. Je fais juste le tour histoire de... Ok. Schwim. Non! Ok. Hike. Bonjour. Ok, donc le deuxième sur 5. Ouais, tu vas me dire que là il y a des marches. Tu déconnes. Rassure-moi, je pouvais pas monter là. Non, bon, ça va. Salut. Okay.
Ça, c'est censé être des échelles, d'accord. Donc voilà, ça c'est fait. Donc il me reste celui qui est au milieu là, que je ne sais pas du tout comment je vais faire. Et il me reste celui qui est, je crois, ici. Non, ça c'est de là d'où je viens. Celui qui était là-haut, je l'ai déjà fait. Il me reste celui qui est là et celui qui est là-haut. Vous pensez que je saute assez haut? Non, je saute pas assez haut. Ah, est-ce que je peux le lancer du coup et réussir à le caler en fait? Ouais. En fait, je pense qu'il doit y avoir un autre côté où je peux monter facilement. Mais il me faudrait un autre cube comme ça en fait. On va aller chercher ça. Allez, viens. Raté. Parfait. Ouch. Ensuite, on prend ça, on le met là. Ok, on est d'accord. Ensuite, je saute là. Je saute là. Ah là, normalement. Non! Oh, mais genre, vous êtes sérieux? Genre, je suis pas encore assez haut. Est-ce qu'il y a d'autres cubes encore comme ça?
Na, ça passe. Et ça monte. Voilà. On va prendre ce cube-ci en même temps. Parfait. C'est pas de ce côté-là qu'on monte. Ok. Ok. Donc celui-là, on le pose là. Et celui-là. Oui. Non. Ok, là. Doucement. On pose délicatement. Voilà. Ensuite, prends celui-là. Bon. Ok. Ok. Ah, tu vas pas me dire que je veux pas là. Ok, donc ça c'est bon. Et là vous allez me dire qu'en fait il y avait un moyen tout simple que je me suis compliqué la vie. M'en fous, ça passe. Bon bah en fait ouais, j'avais vu cette porte là tout à l'heure mais j'ai pas... Et maintenant je me demande si en fait ces cubes là, ce ne sont pas des cubes qui vont me permettre... Non, tu regardes ailleurs maintenant. Voilà, merci. Allez. Coucou baby, comment ça va?
Je vous ai forcé la main à mon Dubaï, mais maintenant on doit travailler dans les règles. La CDA avant tout. Vous voulez que je leur mette tout ça sur le dos? Les attentats à Prague, les fractions sur Versailles et Dubaï, officiellement désormais étaient impliqués dans les 5 attaques. C'est bien clair. Oui, monsieur. Mais envoyez-moi les rapports si vous voulez que je le prouve. Parce que la CDA n'opère pas en Amérique du Nord. Appelez Hong Kong Alpha 1-0, message prioritaire. On a un problème. Miller doit voir un rapport sur les fractions. Quelle fraction? Celle qui est censée frapper votre collaborateur San Francisco d'un jour à l'autre. Quoi? Mais qu'est-ce que vous lui avez raconté? C'est pas grave. Je vais m'en occuper. Je pourrais même en profiter pour nettoyer un autre incident. Que vous a dit notre homme à la CDA? Très peu. Il ne peut pas nous contacter quand il veut. Rocker pourrait le soupçonner. Alors il est temps pour lui d'utiliser l'orchidée. Dites-lui. Tu es Rocker. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Enfin, je veux dire, ça nous facilitera la vie pendant la phase 2, mais... Vous doutez de mes choix, Joseph? Je me demande simplement si le reste du conseil appréciera. Ils ont l'air moins unis qu'ils peuvent. La mort de Rocker en troublera peut-être certains. Mais à ce stade, nous ne devons plus faire attention qu'à Brown. Rocker disparu, je suis certain qu'il se décidera à agir. Tuez-le. Ok. Encore. Alors, Encore, c'était pas en français, là. C'est exactement la voix qu'on cherchait, Adam. C'est du lourd. Faut que j'aille nous entendre. Cette fois, c'est moi qui parle, Arl. Arrange ça et tiens-moi au courant. Je vais voir ce que je peux faire. À plus. On va se faire griller, non? Adam. Non. Bon. Qu'est-ce que vous faites ici? Je dois discuter de mon enquête avec le directeur. Je me disais qu'il était peut-être en pleine session de la CRN. Et vous? Pareil. Enfin, j'allais lui laisser un message à propos de Vince Black, le responsable de la division du crime organisé. Je m'inquiète et j'espérais que le directeur aurait de nouvelles. Black est toujours en mission d'infiltration chez les Mali. C'est bien ça? Le genre d'infiltration peut avoir du mal à s'extirper, oui. Il est censé me voir une fois par semaine, que je l'aide à garder la tête hors de l'eau, mais il n'est même pas venu à notre premier rendez-vous. D'après ce que je sais, l'influence des débats ne se limite pas à la République tchèque. Il a peut-être quitté la ville. Peut-être. Et vous pourriez m'aider à vérifier? On n'a qu'à en parler autour d'un dîner. Allez, oh. Tu viens pour te draguer, hein. À quoi remonte votre dernier contact? Je l'ai vu dans son bureau il y a quelques jours. Il avait l'air agité, comme si ma présence lui rendait nerveux bizarrement. Alors je vais peut-être en profiter pour aller jeter un coup d'œil dans son bureau. Tant qu'à faire, hein? Bon, Adam. Lyon attend que j'envoie mes premiers comptes rendus. Ça m'étonnerait que le directeur soit content de nous trouver à papoter dans son bureau. Alors si vous n'avez rien d'autre à me dire, je vais devoir vous laisser. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans l'évaluation psychologique de Black qui pourrait vous faire croire qu'il est capable de nuire à l'humanité? Vous pensez qu'il aurait pu nous trahir? Les êtres humains sont prédisposés à endommager tout ce qui les entoure. Évidemment qu'il en est capable. Tout comme moi, tout comme vous. Donc si je comprends bien, ces évaluations que vous lui faites passer ne permettent pas vraiment d'anticiper ce qu'il pourrait faire. Je ne suis pas devin. Et la dernière évaluation de Black remonte à avant mon arrivée. Mais elle m'a quand même aidé à comprendre ce qu'il ressent sur le plan subconscient. Et je pense qu'il a des ennuis. J'aimerais avoir des informations plus concrètes à vous donner. Et Vous avez dit que Lyon avait votre premier compte rendu. Ça veut dire que vous ne travaillez pas pour Mila.
Je suis une employée civile, spécialisée dans le suivi des agents en infiltration. Vous n'êtes pas agent. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pour la police? J'ai d'abord travaillé chez Amplib. J'ai aidé les patients à supporter la pression émotionnelle des augmentations. C'est bien fait de croire que tu t'intéresses à sa vie, c'est ce qui marche mieux. Interpol cherchait quelqu'un, alors j'ai transféré ma clinique ici. Donc vous travaillez directement pour Joseph Manderley? C'est Joe qui a eu l'idée d'intégrer une clinique psychologique à nos bureaux pour les agents. Mais écoutez, Adam, j'ai une montagne de dossiers à traiter. Alors si vous n'avez rien d'autre à me dire... Si, j'ai des trucs à te dire, mais bon... Joe, on dirait que vous connaissez bien Manderley. Parce que je l'ai appelé par son prénom. Vous m'avez dit que vous aviez intégré la TF-29 après l'incident. Donc je me disais que vous aviez dû commencer en même temps que Manderley quand l'unité a été créée. Non, je suis arrivée à Joe. Bon, Adam, je crois qu'on ferait mieux de ne pas rester là. Non. Allez. Ouais, sûrement. Mais j'aimerais quand même bien savoir d'où vient Manderley exactement. J'ai entendu dire qu'il avait dû jouer des coudes pour prendre les rênes de la TF-29. Quelque chose me dit qu'il a des amis au bras très long. D'où vient cet intérêt soudain? J'aime bien connaître les gens que je côtoie. Si quelqu'un a aidé Joe, je suis sûre que ce sont des gens qui voient comme lui le potentiel de cette unité. Bref, écoutez, je crois vraiment qu'il vaut mieux qu'on quitte le bureau du directeur avant qu'il revienne. Alors si vous voulez bien m'excuser... Non, reste avec moi. Tu veux pas que je te parle, hein? Tu veux pas, hein? Vous êtes toutes pareilles. Alors. Si je trouve quelque chose, je vous préviens. Regardez ailleurs. Vous ne m'avez pas vu passer. Ok, donc c'est directement l'ordinateur, hein, y a rien d'autre. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Delara, je suis dans le bureau de Vince. Je crois que j'ai une piste. Un rendez-vous avec une informatrice. C'est très prometteur, Adam. Vous allez étudier ça? C'est le seul moyen de savoir ce qui est arrivé. Il va peut-être très bien. C'est un peu tôt pour penser déjà au pire. J'aime bien l'affiche. Niveau de sécurité 5, je peux pas l'ouvrir. ça c'est pour moi, c'est cadeau. Et pourtant je pense que la suite se passe, elle est bien là-dedans. Hein. J'ai pas suffisamment de points. Ah. Allez, on y va. Ça risque d'être coton par contre, hein. Oh qu'il est lent! Oh que c'est mort! Ouais, on va réessayer. Pas mal les fringues quand même, hein. J'aime bien le design des fringues dans ce jeu. Au rôle de recherche de Rocket Sacklebitch, j'ai en parlé de
Allez, on réessaye. Alors surtout, voilà. Allez. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Juste un silencieux. Juste un silencieux. Tu te fous de moi. Bon, bah tant pis, hein, ok. Attention. Au niveau des missions. Ça c'est les missions secondaires. Hein. Ah, on n'a plus de mission principale. D'accord. Ok. Et donc la fille du poseur de bombes, vraiment, on en a vraiment plus rien à carrer quoi en fait. Ok, bon bah écoutez. Ouais, je sais, on me le dit souvent. J'ai écouté la conversation enregistrée sur le SRN. Il accepte de te rencontrer. Ok. Où ça? Il y a un office du tourisme abandonné sur la place centrale. Assure-toi de ne pas être suivi. Et j'ai aussi du nouveau sur Marchenko pour toi. Tout est sur un carnet électronique près du point de rendez-vous. Cherche une poubelle sous une marque à la craie. Elle est à côté du métro. Compris. Et comment on fait pour dézoomer déjà? Voilà. Donc ça c'est la rave, j'en ai un peu rien à carrer. Ok. Dernière faveur. Ok. Ah, c'est plutôt... Ah, c'est plutôt ça que je voudrais faire. Voilà. Sauf que je pense que ça fait déjà suffisamment longtemps qu'on tourne là et qu'on fait des missions. Alors on continuera ces missions. On ira rencontrer l'informateur de Vince Black. Et on ira faire toutes les autres missions secondaires avant d'aller faire la mission principale. Et donc on se dit très vite pour la suite de ces missions. Allez, salut tout le monde. Yo, tromper de bouton, encore tromper de bouton. Arrête. Salut.